On commence. Position préliminaire. Suivez-moi. La force et l'énergie vitale se combinent pour faire tourner l'univers. Ok. Après, maintenant, le prochain. Le singe blanc sort de la grotte et les deux pics se prosternent devant le soleil. Là, il sort de sa grotte. Vous voyez, ça, c'est le petit singe. Retenir le cheval au bord du précipice. Je retiens le cheval au bord du précipice. Et soulever les nuages du fond de la mer. Je soulève les nuages du fond de la mer. Le dragon invoque les brumes sombres et la foudre frappe le torrent en crue dévalant les montagnes. Voilà, le nom est aussi long que la séquence. Le rhinocéros. Non, attends, là, c'est encore le dragon. Là, tous les trucs là qui tournent, ça c'est le dragon là qui est en train de tourner. Voilà, et maintenant. Le rhinocéros regarde la lune et se retourne pour soutenir le ciel. Voilà. Et. Le lion vert tient entre les pattes un globe étincelant qui illumine la salle d'or. D'accord ? C'est poétique, hein ? C'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr. Le rhinocéros, on voit bien là. Hein, avec... Ah oui, là. Là, vous voyez la fameuse balle. Là, on ne la voit pas, mais c'est la tête. La tête. Là. Oui. Après, là, on la ressort, là. Et après, tiens, ça continue comment? Le léopard, tiens. Saisit la jeune beauté dans la gueule. Voilà. Et dresse la tête. En semant l'effroi dans la forêt. Après là, là c'est le roc. Ouais. Le grand roc bat des ailes pour effrayer les autres animaux. Voilà. Et le cerf tend le cou pour cueillir des sésames et l'incline en avant pour boire de l'eau fraîche. Ah, c'est celui-là, regardez. Hein. Il boit de l'eau fraîche. Et après, c'est le serpent jaune. Le serpent jaune crache son venin et s'amuse avec les grillons. Voilà. La carpe saute hors de l'eau et soulève des grandes vagues. Et après, l'aigle vole au-dessus de la montagne et cherche à attraper un couple de poulets. La grue à crête rouge s'élève dans le ciel et vole dans le vent et les nuages. Là, c'est là. Là. Ah. Le singe d'or vole les pilules d'immortalité et le feu s'éteint dans le foyer. Et... La fille d'honneur, en costume vert, s'envole vers la lune et les vagues déferlantes se calment. Et le prochain? L'ours noir découvre ses griffes et fait trembler la forêt. La grenouille d'or devient immortelle et tombe ivre dans le lac Yaoshi. La pie se perche sur la branche et se tient solitaire sur le prunier hivernal. Le dragon vert se jette dans la mer. Il tourne. Il se jette où ? Le dragon vert se jette dans la mer, l'esprit concentré et le cœur serein. Voilà. Maintenant. Le cheval sauvage secoue sa crinière pour montrer sa fougue indomptable. Le singe dit. Non. Là, il répète trois fois. Ah bon. Maintenant. Le singe divin entre dans la grotte pour méditer. Le phénix multicolore vole haut dans le ciel et 1000 oiseaux chantent de concert. Voilà. Et le tigre dompté protège les canons taoïstes. Préserver éternellement la vigueur et l'énergie vitale, puis combiner le mouvement et l'immobilité pour renverser l'univers. Oui, c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. C'est mignon. Ah ouais.
Ça fait faire tout un petit voyage. Il faut avoir l'imagination.